Ce message d'intérêt public a été payé et autorisé par George Mendez, agent officiel du bloc POT. Mais pouce égal, cartel criminel ou cartel légal. Pouce, mais pouce égal, le bloc POT supporte le producteur local. Dans le bloc, le POT pis le bloc POT, 20 ans de politique pour les cocottes. On remercie l'équipe pour leur vote-vote. On fête notre équipe, on tire pas de blog. Ça vient d'un adieu, on est encore là. Ce que Trudeau radote, on le croira pas. Six élections, puis on fête nos choix. Merci aux militants qui nous prêtent leur voix. Vos votes sont un don contre la corruption. Gros vibe, Club Compassion. Cannabis trop, Happy Slip. Les petits yeux vitreux, y'en a pas mal ici. L'économie se développe avec l'argent du pot. Food truck de pâte, coffee shop, micro brasserie pour les philosophes. Plus de votes, plus de potes. Parce que le vote arrive, puis que les autres partis prennent pour une valise. Blackpot. Parce que le vote arrive, on n'a pas d'élu, mais ça se légalise. Plus de vote, plus de potes. Plus de vote, plus de potes. Plus de vote, plus de potes. Qui sème le vote, récolte le vote. Je milite au Blackpot depuis 20 ans. Puis pourquoi je fais ça, hein? Tout le monde me le demande. Il y a 8 ans, j'ai eu des enfants. Mon beau-frère m'a dit « Bon, enfin, tu vas devenir sérieux, tu vas lâcher le bloc-pot. » Ça m'a fait rendre compte que ce que je faisais, c'était sérieux. Mon père, c'est un alcoolique. Ça fait 35 ans qu'il a arrêté de consommer. Depuis ce temps, il y a d'autres personnes à arrêter. Et j'ai vu des personnes passer chez nous, puis plein de gens passer. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il ne les jugeait pas. Puis en agissant de la sorte, il a réussi à les aider et à leur proposer d'autres façons d'être à ces personnes. Les jeunes n'ont pas besoin de contraventions. Ils ont besoin de se faire dire comment bien consommer. Si vous voulez en savoir plus sur notre argumentaire, visitez ce lien.